Le week-end dernier, les meilleurs boxeurs français avaient rendez-vous à Saint-Quentin avec un seul et même objectif, la qualification pour les Jeux européens de Cracovie, dernière étape avant les Jeux olympiques de Paris 2024. Pour Dominique Natto, le président de la Fédération française de boxe, il était logique de démarrer l'aventure sur le territoire saint-quentinois. Paris démarre à Saint-Quentin. C'est-à-dire que pour ceux qui iront, qui seront nos représentants et qui iront chercher nos médailles pour la boxe à Paris, sont ce soir à Saint-Quentin, dans la majorité des cas. Donc pourquoi Saint-Quentin ? Parce que Saint-Quentin est une terre de boxe déjà, avec une tradition mais qui date bien avant moi. Moi, personnellement, je suis venu ici pour les Jeux de 2008 avec Jérôme Thomas. Il y a une multitude de compétitions qui se sont déroulées ici. C'est un endroit magnifique pour la boxe. Au départ, il y en a plusieurs dans chaque catégorie qui pensent être le meilleur représentant pour aller chercher une qualification et pour aller chercher une médaille. Donc tout ça, on leur a donné le moyen de nous le prouver aux yeux de tout le monde, sur ce même ring de Saint-Quentin, avec sur la distance de compétition, dans les catégories de olympiques. Et donc chacun pourra s'exprimer pendant ces 3 jours, en formule round robin, c'est-à-dire que chacun rencontre tous les adversaires. Et à l'issue, on fait un classement et le meilleur ira au tournoi de pré-qualif. À l'issue de ces 3 jours, la fédération va. La sélection, elle se fait en face à face. La fédération prendra en compte les numéros 1, numéro 2 et préparera les étapes qui sont préalables aux Jeux européens, c'est-à-dire les championnats du monde féminin en Inde et les championnats du monde masculin en Ouzbékistan. Et au mois de juin, en Pologne, il y aura les Jeux européens qui, eux, seront la première étape qualificative pour aller aux Jeux olympiques de Paris. Ces 3 jours nous ont permis d'établir la vraie hiérarchie des athlètes qui participeront sur les Jeux européens. Ça a été très bien ressenti, à la fois de la part des athlètes, bien évidemment, mais aussi des entraîneurs, voire même, je pense, du grand public. Parce que on sait désormais qui représentera l'équipe de France lors de la première épreuve qualificative pour les Jeux, avec des combats très serrés pour certains, mais en tous les cas, un niveau d'engagement qui a été très important, car les billets sont chers et tout le monde veut faire Paris 2024. On connaissait tous les athlètes qui étaient présents sur le ring durant ces 3 jours. Il y a eu quelques petites surprises parce que là aussi, on a fait le choix d'organiser ce tournoi aussi pour pouvoir répondre à une double commande, établir effectivement la hiérarchie, mais en regroupant des boxeurs amateurs et professionnels. Sauf qu'il est difficile derrière de connaître le vrai niveau des boxeurs professionnels sous le format amateur. Cette compétition a permis de lever certains doutes sur le niveau de compétitivité de certains boxeurs professionnels. Un événement de 3 jours pour lequel les boxeurs s'étaient préparés avec un seul objectif, celui de se qualifier.